Salut à tous, c'est MadMadGamer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment record son appareil iOS 8 donc avec Chou. Voilà, donc c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc, alors déjà, vous allez sur Safari, vous tapez emu4ios.net. Voilà, donc vous y allez. Hein. Donc, sur iOS 8, il n'y a que celui-là qui marche. Donc vous faites get, après vous faites install ou installer, vous faites installer, hop, désolé, je suis allé sur Chou. Donc après, dès que vous allez lancer, il va vous dire de télécharger chou.tv sur l'Apple Store. Après, quand vous allez lancer, vous faites sign in, donc vous vous inscrivez. Après, donc là vous allez tomber sur les lives et tout des gars, vous retournez sur le premier Chou. Donc là vous allez faire donc là en fait il va... En fait, là, je vais filmer avec mon deuxième téléphone pour vous montrer comment ça se passe pour filmer, le début, quoi. Donc, je vous dis à de suite. Donc, alors là, vous faites, vous lancez Chou. Voilà. Donc, alors là, vous faites record screen. Donc, alors ici, c'est les enregistrements que vous avez faits. Donc faites record screen, donc là broadcast machin, ça sert à rien. Donc là vous rentrez un titre, donc genre test. Donc là vous mettez en MP4, c'est mieux parce que moi avec mon logiciel de montage il accepte pas le MOV. Donc MOV c'est format iPhone. Hein. Donc là vous mettez 720p mais ça bug souvent, moi avec Clash of Clans ça bug, donc je mets 640p. De toute façon après avec mon logiciel de montage, donc qui est Camtasia, je mets en 720p, il n'y a pas de souci. Donc là hop, vous laissez en 8. Donc là après vous faites start recording. Donc ça va record aussi la voix, donc là il va vous demander d'accéder au micro, donc là vous faites oui. Donc après là vous faites stop, donc il y a un petit chargement. Donc selon la taille de la vidéo, le chargement va durer plus ou moins longtemps. Après vous faites ça, donc moi là comme j'ai pas entré de titre, ça m'a un titre aléatoire. Vous faites save to camera roll ou delete. Voilà. Sinon, il va vous demander aussi quelque chose, donc vous allez dans réglages. Général, accessibilité, vous descendez tout en bas, vous faites Active Touch et vous l'activez. Donc c'est ça, ce petit menu là qui est comme le bouton Home. Donc c'est juste pour filmer, après vous pouvez l'enlever. Donc moi là comme j'étais en train de filmer, je le laisse. Donc là je vais pouvoir l'enlever. Et donc voilà, c'est tout. Donc après vous pouvez fermer Chou. Donc là vous voyez que là je vais aller dans mes photos. Et que je vais avoir. Oui, je les ai là. Donc là, comme l'autre là, le test, je l'ai supprimé. J'aurais pas dû le supprimer. Mais bon. C'est pas grave. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à quand même partager et laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et moi, je dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et puis, c'est tout. Allez, salut!